lycéens et collégiens, ils étaient plusieurs centaines ce matin au Memorial à Actes pour échanger avec les historiens Pascal Blanchard et Benjamin Stora. Le thème du jour, comment l'idée coloniale a-t-elle progressé en France ? Une rencontre très attendue par ces jeunes. L'historien, il est capable de reconnaître ses erreurs. L'histoire, c'est aussi la révision de cette histoire. C'est être capable de se remettre en question, d'améliorer finalement ce qu'on a dit au départ, pour finalement tendre de plus en plus vers une vérité et ne pas seulement se contenter de ce qu'on a dit et dire qu'il y a une histoire et ça s'arrête là. En conclusion de l'exposition sur les zoos humains au Memorial Act, les historiens sont revenus sur les origines du projet colonial français, mais aussi sur son évolution et la naissance du racisme scientifique. Pour Pascal Blanchard, il est important que ces jeunes comprennent ce qu'il en reste dans nos sociétés d'outre-mer. Ce qui est très important à expliquer, c'est les continuités, c'est les héritages de la colonisation. Qu'est-ce qui reste dans nos sociétés actuelles de cette période coloniale? Et on voit justement qu'il reste un certain nombre d'éléments, une manière de regarder l'autre, les stéréotypes, des pratiques, une manière de penser les outre-mer aussi comme des territoires lointains. Toutes ces questions-là ne pourront être déconstruites d'une certaine manière que si on s'intéresse de nouveau à l'histoire coloniale, qu'on la comprend, qu'on fasse un travail de savoir dessus pour arriver sur le présent et décoder en fin de compte notre temps d'aujourd'hui. La transmission de cette histoire coloniale est donc l'un des défis indispensables des années à venir.